Ma prima cosa sono fortunato e contento che abbiamo segnato 6. La prima chose è che j'ai la chance parce qu'on a marqué 6 gol. 5 gol che abbiamo subito, maggior parte sono dopo errori individuali. C'est un but qu'on a encaissé, la majorité d'entre eux, ce sont des fautes et des erreurs qu'on a commises pendant les deux matchs. E penso che questo, con un po' più concentrazione, con un po' più di rigorosità, è più facile di correggere che sbagli collettivi. Et si on pense que si on aurait plus de rigueur et de concentration, c'est vrai que des erreurs comme ça, elles sont plus simples à résoudre. Secondo. Sì. Hussein ha fatto una bella partita, si è trovato ancora meglio davanti quando ha giocato dietro la punta, ha dato suo contributo. Osem, il a fait un bon match et son match a été meilleur quand il a été déplacé un petit peu plus en avant aux côtés de l'attaquant. Abbiamo avuto un po' di difficoltà perché avversario è forte, avversario soprattutto primo tempo ha giocato a grande ritmo e si vede che che tanto tempo giocano insieme e ce l'hanno automatismi, per questo non è solo colpa nostra, ma è anche merito dell'avversario e complimenti. Il faut faire des compliments à l'Afrique du Sud, il faut avouer que c'est une équipe qui a un grand rythme. Dans la première mi-temps, ils ont vraiment très très bien joué le coup, ils ont donné le rythme, ils ont été percutants. Et c'est une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble, on l'a vu ce soir. Le coach nous redit compliments aussi aux adversaires. No, sicuramente sapevo già prima di arrivare che c'è gran potenziale offensivo. Je savais dès le début qu'il y avait vraiment un potentiel offensif très très intéressant. Sicuramente per me lavoro è da fare, abbiamo fatto anche certe cose di avere equilibrio nella squadra. Le travail qu'on a fait e qu'on a cherché de faire, c'est de donner de l'équilibre à l'équipe. Sicuramente difensivamente dobbiamo essere bravi di anticipare le cose, dobbiamo essere bravi di difendere preventivo, ma non solo questi che sono dietro, ma iniziando da primo attaccante. C'est bien clair que sur l'aspect défensif, il faut travailler là-dessus, il faut faire de façon que tous soient concernés et que pas que les défenseurs, mais aussi les joueurs du milieu de terrain et de l'attaque, parce que c'est tout un bloc qui doit travailler, et surtout la phase préventive, il faut anticiper les situations qui puissent se passer. E abbiamo visto tutte le volte quando abbiamo fatto individuale volere qualcosa di troppo, abbiamo subito dopo errore anche le occasioni. Et chaque fois qu'on a voulu dépasser les limites en faisant quelque chose sur un individuel, on a eu des problèmes et on a subi aussi des gols. E compattezza della squadra in certi momenti primo tempo mancava perché dovevamo meglio chiudere in avanti e indietro, ma abbiamo corretto e sicuramente 2 volte recuperare contro avversario così forte non è poco. On a cherché de mettre en place pendant la deuxième mi-temps une équipe qui était très plus douée, avec des espaces qui étaient beaucoup plus fermés, parce que quand tu joues avec une équipe comme ça et tu vas revenir au score pendant la deux fois, c'est pas si simple, parce que c'est une équipe qui a vraiment des qualités. E Benzia, gol che si ricorda anche dopo diverso tempo come è bello e non è un gol di tutti i giorni. Je pense que le largage du corps du gauche, il est assez éloquent. Le goal de Benezia, c'est quelque chose de magnifique. C'est un goal qui va sûrement pendant sa vie se rappeler de ce qu'il a. Ma la qualità c'è e il gruppo è molto largo. On a de la qualité et le contingent, il est vraiment très très large. Mi dispiace per certi giocatori che non ho potuto dare opportunità perché tutti 30 e passa giocatori hanno fatto ottimo stage.
Se Tomáš, le coach, n'a pas pu donner des possibilités à tous les joueurs qui étaient présents, et quand il y a 21 joueurs dans le contingent, pendant le match comme ça, c'est vraiment difficile. Mi hanno messo in difficoltà in questo periodo perché per me saranno i dolori scegliere in giugno 23 che difendono la maglia dell'Algeria. Le joueurs qui étaient présents, ils m'ont mis vraiment en difficulté pour choisir les 23 joueurs qui seront présents pendant les deux matchs du mois de juin. Ce sera vraiment très 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 difficile. Sicuramente non ci saranno tante esibizioni o provare troppe cose, adesso era un momento per questo. Quando sarà ici le mois de juin, on va pas faire des nouveautés, essayer des nouveautés. On a du temps maintenant, on a fait ça et on a cherché d'exploiter le temps qu'on avait à disposition. Spero che 23 giocatori che scelgo per il prossimo raduno saranno pronti come adesso e accettano ruoli che abbiamo visto anche in queste due partite, sono molto importanti, sia dentro 11, fuori 11 o nel gruppo, perché positività deve essere. J'espère que tous les joueurs qui vont venir pour le stage du mois de juin, du match pour la qualification du championnat du monde, seront prêts à comprendre que là, il n'y a pas que le rôle du titulaire, il y a des rôles qui sont pour tous les joueurs qui sont chez nous, que les 23 joueurs risquent aussi d'accepter des situations qui sont des situations comme ça. On est une famille, un soudé. Perché abbiamo visto da che abbiamo tantissimi potenziali titolari. On a vu qu'on a vraiment beaucoup de potentiel titulaire pour cette équipe. Lo so, ma difficile giocare con 15 giocatori e cambiare 8 di nuovo. Qualcuno deve essere fuori. Ho valutato un po' situazione anche negli allenamenti e ho scelto quelli che in questo momento reputo più pronti per difendere la maglia. Je sais, mais il faut penser aussi che quando on a un contingent come ça, j'ai dû faire aussi des évaluations, j'ai fait des évaluations aussi pendant les entraînements. C'est des choix que j'ai pu faire et c'est comme ça, il n'y a pas d'autre possibilité. Tutti i giocatori mi hanno messo in difficoltà e devono mettermi in difficoltà giocando nelle proprie squadre, ma in stesso momento accettare anche ruoli differenti che titolare. Le coach veut souligner que tous les joueurs vont comprendre qu'il va donner des bonnes prestations dans les matchs, dans les équipes où ils jouent maintenant. Et quand ils viennent ici, ils vont aussi comprendre qu'ils vont accepter des rôles qui sont peut-être pas ceux qu'ils ont dans l'équipe où ils jouent. Prima cosa che a noi interessa il nostro tipo di gioco e la nostra prestazione sul campo. La prima cosa che è molto importante è che c'è un'altra forma di giocare, c'è un'altra prestazione sul campo. Io non sono un allenatore che troppo guarda l'avversario. Io non sono un allenatore che guarda solo l'avversario. Per me è importante che si fa prestazione che si chiede, si analizza l'avversario e si adattano certe cose verso l'avversario. Pour moi, c'est essentiel de bien connaître quand même l'adversaire, de chercher de mettre en place des situations qui puissent nous aider, mais ce n'est pas ça qui va changer notre idée de foot. Sicuramente che cambiano certi parametri dove si gioca in Africa e così, ma comunque rimane calcio e la voglia di dominare l'avversario. C'est clair que ça dépend où on va jouer en Afrique, mais la chose la plus importante, c'est que le foot reste du foot et nous, on doit changer, chercher de tout temps à dominer l'adversaire. Possono cambiare situazioni esterne, campi, tempo e così, ma dobbiamo adattarsi e dobbiamo sempre tirare il meglio possibile. Il y a des situations qui peuvent changer, comme l'état des terrains, l'ambiance, mais nous on doit être capable de s'adapter à toutes ces situations parce que c'est la seule chose qu'on peut faire.
Sono molto contento con le prestazioni di portieri in tutte e due le partite. Sicuramente valuteremo posizione di ognuno e cercheremo anche di allargare questa rosa dei portieri. Je suis très satisfait avec les matchs joués par les deux gardiens qui ont joué les deux matchs qu'on a vécu. On va faire toutes les évaluations qu'il faut faire et on va chercher aussi d'élargir le groupe des gardiens à disposition. Penso che non è il momento fare commenti sui terzi, perché Adli il momento è terzo e non fa parte del nostro progetto il momento. Qui est la deuxième question par rapport à Ali. C'est un joueur qui est un tiers, il n'est pas avec nous, donc c'est pas le moment de faire des discussions par rapport à ce joueur. Sicuramente la squadra che ho trovato è molto solidale, pronta di lavorare, pronta di ascoltare e mettere tutte le risorse, proprie risorse a disposizione della squadra. L'équipe que j'ai trouvée est une équipe qui est soudée, qui a envie de travailler, qui a beaucoup travaillé et qui est prête à tout donner pour donner des prestations qui sont positives. E abbiamo visto anche squadra mentalmente pronta, perché non è facile raggiungere un gol indietro, raggiungere morale per cambiare il gioco, il risultato, ma noi siamo riusciti. On a quand même vu que l'équipe, malgré la situation aussi psychologique, elle a été capable de revenir au score, pas que dans ce match, aussi dans le match qu'on a joué contre la Bolivie. Et donc c'est quelque chose de quand même positif. Il faut avouer qu'il y a sûrement ça qui est positif. Per questo è importantissimo anche per il futuro, immediato futuro, evitare fare troppi regali ad avversario. Et pour le futur, l'immédiat futur, donc mois de juin, ce qu'on doit absolument éviter, c'est de faire des cadeaux aux adversaires. Penso che rispondo subito sulla seconda domanda, che Aitnuri ha ho messo un po' più in avanti, rifforzando offensivamente il nostro reparto difensivo. Je vais tout de suite partir avec la deuxième question par rapport Prima avec questione. lui. Il a changé de poste pour donner encore plus de pression sur la partie offensive. C'est ce qu'on a fait avec lui. Sicuramente non c'era la colpa della difesa per tanti gol che abbiamo subito. Vraiment, ce n'est pas que la faute de la défense, c'est surtout les buts qu'on a encaissés. Perché da 5 gol almeno 4 sono successi dopo errori individuali e un po' banali. Parce que si on regarde 5 buts qu'on a encaissés, 4 qui sont quand même des goals qu'on a encaissés suite à des erreurs individuelles. Comunque dobbiamo rimanere più concentrati e cercare di evitare questi errori anche con la comunicazione maggiore. On doit absolument éviter tous ces erreurs qu'on commet et surtout c'est la communication qui doit être absolument meilleure. Riconoscere difficoltà e momento di partita può aiutare anche per fare qualche errore di meno. Il faut quand même reconnaître aussi ce qui se passe et être capable de trouver des solutions après le match. No, lui ha preso un bel colpo e spero che non c'è niente rotto. Il est sorti sous blessure, il a reçu un grand coup et on espère qu'il n'a rien de cassé. Penso che ha fatto bella partita, si è sacrificato anche in fase non possesso palla e bella partita ha finito con questo bellissimo gol. Je pense qu'on peut dire qu'il a fait un très bon match. Il a été aussi très disponible sur la partie défensive et à la fin il a clôturé son match avec ce magnifique goal. Anche se non hanno giocato spesso insieme, sono riusciti a cambiare posizioni, essere compatibili tra di loro, che veramente non aspettavo in questo senso.
Même s'ils ont changé régulièrement aussi de position et qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, ils ont démontré quand même d'avoir très bien joué ensemble et je ne m'attendais pas à ce niveau de qualité de travail ensemble. Prima cosa che sono molto contento come è andato a finire e come si è svolto questi 10 giorni che siamo stati insieme. Première chose, je suis très content de comment le stage a terminé et surtout comment on a vécu ces 10 jours. Abbiamo avuto qualche difficoltà con i malati e con gli infortunati, ma la squadra era forte per dimostrare sul campo che merita anche guardare in avanti con ottimismo. On a eu des problèmes pendant ces 10 jours avec des joueurs malades, avec des joueurs blessés. Mais quand même, l'équipe a démontré pendant tous ces 10 jours qu'elle a envie de regarder à l'avant et d'être prête à donner quelque chose de l'équipe. E come ho detto dall'inizio, tutto questo cosa abbiamo messo sul campo, tutti i consigli. Dobbiamo e dovremo ripetere ancora in giugno e dopo in settembre, ottobre, tutte le volte perché purtroppo non abbiamo possibilità spesso stare insieme. Et comme j'ai dit dès le début, tous les thèmes qu'on traite avec les joueurs, qu'on travaille avec les joueurs, on va tout le temps les répéter chaque fois avec eux, parce que c'est avec ça qu'on pourra tranquillement regarder à l'avant. E noi come allenatori, come staff, ci mettiamo a disposizione dei giocatori se serve. Et nous, en tant que staff, le coach, on se met à disposition des joueurs s'il le faut. Anche in periodo quando non siamo insieme. Et même dans la période où on est en stage avec l'équipe. Merci. Merci à tous pour votre travail. Merci.